Monsieur le Premier ministre, vous êtes pas mal le seul à penser comme ça. Oui, c'est fou, non? D'ailleurs, ma ministre de l'Éducation, Madame Lich-Bouchet, est entièrement d'accord avec vous. N'est-ce pas, Lich? Monsieur Charest, votre projet de hausse des frais de scolarité a non seulement soulevé la colère populaire, mais a réussi même à susciter des discussions fondamentales sur le système d'éducation dont veulent se prévaloir les Québécois. Et là, il y en a qui parlent de gratuité scolaire. Un instant, monsieur Charest, un instant. Je rachète au gros prix l'électricité de Rio Tinto. J'offre des contrats par-ci par-là, mes amis de la construction, puis le grand nord au complet aux compagnies d'exploitation minière. Je peux pas te donner tout gratuitement. Que notre pays respire! Ils sont nous! Demain, ils seront nos professeurs! Nos médecins! Nos ouvriers! Nos députés! Nos gens d'affaires! Nos artistes! Et même nos policiers! Oh, ouais. Nous sommes ensemble! C'est une conviction chevillée au corps! Qui êtes-vous pour leur dire où, quand, comment et pourquoi manifester? Vous qui passez le clair de votre temps enfermé! Si vous n'aidez pas, de grâce, ne nuisez pas. Si les vieux sont nos racines, les jeunes sont nos bourgeons. Ils sont la promesse, le mouvement, le retour des oies. Le tintamarre, la rivière qui se réveille. Ils sont notre printemps.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.